Nahima, depuis que je suis rentrée, je te sens un peu distante. Il y a un souci. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu voulais que je fasse quoi? Que je me prosterne devant toi? Parce que si c'est le cas, tu me dis, hein, ça ne me coûte rien de le faire. Mais comment tu me prends à chaud comme ça? Je venais juste te taquiner. Hein. Alice, je ne suis pas d'humeur. Hein? Donc évite de me taquiner. J'ai des choses plus urgentes à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent et dont je ne suis pas au courant? À ce que je sache, je suis ton binôme dans cette maison, non? Mon quoi? Alice, tu as dit mon quoi? Tu connais la définition de ce mot? Ngué mon binôme. Mariama, je m'excuse d'être partie sans te dire et sans te faire signe de vie. Le truc est que je dois me chercher. Du coup, je suis en train d'aller un peu de partout pour trouver mon équilibre. Si j'étais donc ton binôme, comme tu le dis si bien, hein? Tu serais parti avec moi pour qu'on se cherche ensemble. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti d'ici comme un mille pattes. J'ai seulement vu les dégâts. Hein? Tu penses que je ne suis pas au courant de tes demandes d'emploi? Alice, combien de fois t'ai-je demandé dans cette maison qu'on fasse les demandes d'emploi? Mais tu m'as toujours dit qu'une femme ne doit pas travailler pour quelqu'un, qu'elle doit travailler à son propre compte. Comme ça, si un homme veut l'épouser, ça sera facile pour elle d'aller s'installer avec lui. C'est pas toi qui m'as souvent dit ça. Oui, mais tu étais toujours d'accord avec moi sur ce point. On voulait nous marier avant de voir la possibilité de travailler. Juste que maman nous dit ici tous les jours qu'une femme ne doit pas dépendre totalement d'un homme. Que même nous, les divorcés, là, on peut reprendre nos vies à main. Parce que le divorce n'est pas une fatalité. Figure-toi donc que je suis décidée à mettre ces conseils en pratique. Hein? Je ne vais pas rester là comme un habit sur un mannequin en attendant qu'un client vienne me choisir. Et je pense que tu devrais faire pareil. On ne va pas rester là sans rien faire en attendant qu'un homme vienne nous épouser. Mariama, tu me déçois. Je suis la fille de maman dont j'écoute tous ses discours. Donc, du coup, je ne peux pas me laisser détourner par mes objectifs aussi facilement. Voilà ce qu'on a failli te... Bon, bref. Imaginons que ce monsieur arrive à ses fins. Qu'est-ce que tu allais faire? Ngrandouma, la souffrance est sur moi. Alice, heureusement qu'il n'est pas arrivé à ses fins, parce que Dieu ne dort. Hein? Et en parlant de risque, hein, tout ce qu'on fait dans la vie est un risque. Toi-même, là, quand tu passes ton temps à faire les lèches-vitrines chez les marabouts en espérant trouver le partenaire idéal, tu penses que ça n'a pas de risque? Je dis même quoi? Quand tu as laissé Jules pour aller tomber amoureuse de ton grand-père feignant, là, tu croyais que ça n'avait pas de risque? Mariama, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Je ne t'ai jamais jugé. Encore moins condamné tes actions. Arrête de toujours vouloir faire comme si tu étais toujours à l'écoute de maman plus que moi. Laisse-moi te rappeler que je suis sa fille et toi, tu n'es qu'une autre cousine paternelle dont tu n'as aucun lien avec elle. Tu peux jouer les enfants modèles, tu peux rédiger autant de demandes d'emploi que tu veux, mais tu ne prendras jamais ma place. Je suis la première fille montée et je ne laisserai plus jamais personne me marcher dessus, même pas toi. York, brebis. Alice, si la même détermination pouvait t'aider à arrêter de partir chez les marabouts. Maria, hé, Alice, ne tente même pas, n'essaye même pas. Sinon, je vais tellement te frapper fort que tu vas te retrouver à l'hôpital. Et je te promets que tu vas passer tellement de temps là-bas que tu ne vas pas voir le premier anniversaire de l'enfant de Nachma. mais l'enfant de Nachma n'est pas encore né. Justement, je n'ai pas parlé de sa naissance parce que tu seras encore dans le coma. Maria, depuis que tu es entrée dans cette maison, c'est moi qui t'ai soutenue. Et c'est comme ça que tu me remercies. Hein? En voulant m'envoyer dans le coma. Alice, je te rappelle que c'est toi, hein. C'est toi qui as commencé. Je n'ai même pas encore attaqué. Je ne fais que répondre à tes attaques. Et depuis le début, je t'ai dit ici que je ne voulais pas. Mais tu as insisté. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec le clan des divorcés. C'est chacune pour soi, Dieu pour tous. Tu m'as compris, non? C'est terminé. Game over. Mariama! Mariama! Voilà que même Mariam t'a lâché. Matt, donc tu nous écoutais. Pas vraiment. Mais je l'ai entendu dire que c'était enfin fini avec le clan des divorcés. Et crois-moi, ma chérie, cette nouvelle vient de remplir ma journée d'un pur bonheur. Ma, pourquoi tu me fais ça? Est-ce à cause de ma rupture avec Jules? Tu aurais voulu qu'on me crève un œil là-bas, maman. Maintenant, tu traites Mariama mieux que moi, maman. Pourquoi? Et tu me parles en me regardant dans les yeux. Hé, baisse les yeux! Baisse-moi les yeux et suis-moi les larmes de crocodile, là!
Hein? Alice, sache que je suis au courant de beaucoup de choses te concernant. Des choses que tu as faites dans le noir et que tu crois tellement enfouies qu'on ne puisse pas en parler un jour. Et je vais répondre à ta question. Si ça peut t'édifier, hein? Et te pousser à arrêter de réfléchir avec ta cervelle de moineau, là. Comme tu te crois plus intelligente que tout le monde. Tu crois sincèrement que c'est à cause de ta rupture avec Jules que je te traite comme une malpropre dans cette maison? Eh bien, dans ce cas, laisse-moi te dire, ma fille, que tu te trompes de sujet. Ah non, ce n'est pas du tout à cause de ça. Je suis juste fatiguée d'avoir à côté de moi une fille fainéante. Une fille qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Une fille qui passe son temps à faire le tour des charlatans parce qu'elle espère qu'on puisse mettre sur son chemin un homme qui puisse changer sa vie. Tu penses que je ne suis pas au courant? Maman, je n'ai jamais... Tu n'as jamais fait quoi? Tu n'as jamais suivi ton amie Rose dans une brousse dans le sud là-bas pour chercher une potion magique que tu as donnée à Jules pour le pousser à devenir ton pantin? Un pantin que tu allais manipuler comme tu veux? Malheureusement, ça s'est retourné contre toi. Et au lieu de t'aimer et de se coucher à tes pieds comme tu l'espérais, il s'est plutôt mis à te détester au point de vouloir en finir avec toi avec ses mains. Hmm? Il s'est plutôt mis à te détester. Il y a eu retour à l'envoyeur. C'est pour ça qu'il a commencé à te cogner. C'est pour ça qu'il a commencé à te brutaliser, Alice. Voilà que tu as transformé un garçon qui était doux comme un agneau en un monstre, en un homme violent. J'espère que tu es content de toi. Madame, tu savais. Je savais tout. Tu penses que quoi? Que je ne suis pas au courant de ce que tu fais dans le noir? Je vais te dire une chose, Alice. Quand un des miens passe la nuit dehors, j'ai dit une seule nuit, que ce soit un homme ou une femme, je me bats toujours pour savoir ce qui lui est arrivé. Je me bats toujours pour savoir ce qu'il fait et où il est. Tout ce que tu fais dans ta vie dans le noir, là, sache que moi, ta mère, je sais. Et si je ne dis parfois rien jusqu'ici, c'est parce que j'espère que tu reviennes à de bons sentiments. J'espère que tu comprennes que ça ne va te mener nulle part. Mais non, tu deviens de jour en jour encore plus idiote. Non, c'est Mariama. Mariama n'a rien fait. Elle n'a rien à se reprocher. Au contraire, elle passe plutôt son temps à te reprocher de courir de charlatan en charlatan. Parce que tu espères quoi? Hein, Alice? Tu espères quoi? Moi qui suis dans cette maison, étant ta mère depuis des années, tu m'as un jour vu chez un marabout. J'ai un jour arrêté ta main, j'ai dit que ma fille accompagne-moi dans un endroit obscur. J'ai un jour fait ça. Du vivant de ton père, tu m'avais un jour vu trafiquer quelque chose et mettre dans sa nourriture pour qu'il m'aime plus. Tu m'as un jour vu faire ça. Tu as donc appris ça où? Qui t'a appris? Ne m'énerve pas, je peux commencer maintenant à rectifier ton protège. Qui t'a appris? Maman, je n'aime pas. Donc tu as commencé comme ça par magie, ma chère matin. C'est Rose, c'est Rose. Rose a fait quoi? Quand Rose te l'a dit, pourquoi tu n'as pas dit non? Mais il voulait faire un retournement de situation. Et maintenant, j'espère que tu vois là où ça t'a mené. Tu vois là où ça t'a mené, Alice. Et j'espère que ça t'a servi de leçon. Et que tu vas comprendre que le charlatan, que le marabout ou qui que ce soit, ne peut rien apporter de bon dans ta vie. Regarde tous les atouts que la nature t'a donné. Pourquoi ne pas séduire ton homme avec ça? Pourquoi croire que c'est une potion magique qui va l'amener à t'aimer plus qu'il n'en faut? Tout ça parce que tu veux t'asseoir dans son cerveau et le manipuler comme une marionnette. Laisse-moi te rappeler que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Sa mère ne l'a pas porté pendant 9 mois, l'a envoyé à l'école, souffrit sur lui. Lui-même, il s'est battu pour trouver un travail pour que tu viennes t'asseoir juste parce que tu lui aurais donné une potion magique et gouverner sa vie. Tu fais ça comment? Tu voulais gérer la vie du gars d'autrui, pourquoi? Hein? Désolée. Tu es désolée, hein? Désolée pour toi-même. Regarde ta misérable vie. Tu n'as même pas honte. Et tout ça ne t'a servi à rien. Depuis que tu es revenue dans cette maison, tu as changé. Tu as compris que ça ne t'avait servi à rien. Au contraire, tu continues. Et tout ça avec mon argent. Le peu d'argent de poche que je te donne dans cette maison, Alice. Si j'entends encore que tu allais chez un marabout avec. Si j'entends encore que tu as mis le pied chez un charlatan. Je te jure que ce que Jules t'a fait sera petit à côté de ce que je vais te faire. Je vais tellement te cogner que tu vas préférer être morte. Je te préviens. J'espère que tu m'as compris. Allez, baisse les yeux. Baisse les yeux. Une idiote de ton espèce. Toujours en train de croire que c'est un homme qui va venir changer quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que tu as passé ta vie à me voir, moi, ta mère, me battre. Tu as passé ta vie à voir comment je cherchais mon argent de mes 10 doigts. Aujourd'hui, là, l'argent de location que je prends partout, c'est parce que j'ai construit cette maison avec ton père. C'est parce qu'on s'est battu. Tu nous as un jour vu chez Marabout. Tu as donc appris ça où? On dit souvent que c'est quand tu vois ta mère ou tes parents faire quelque chose, toi aussi tu suis la même logique.
J'étais un jour amené chez le marabout. Ta sorcellerie sort de Alice. C'est comme ça que partout on va aller dire oh, telle mère, telle fille. Oh, telle fille, telle mère. Je ne suis pas comme ça. Hein. Je sais que je bavarde. Mais ma passe arrête sur ma bouche. Je ne sors pas la nuit. Je ne pars pas chez les charlatans. Je ne fréquente pas les diseuses de bonne aventure. Même chez les diseuses de bonne aventure, j'étais un jour amené. L'affaire de marabout est donc sortie où? L'affaire de marabout est donc sortie où? Ma plus jamais. Parce que tu espères passer par des voies de contournement, de facilité. Parce que tu espères que non, un matin, tu vas t'élever, bim! Tu tombes sur un milliardaire, tu t'assois sur son cerveau et puis tu gères son argent. Comme vous croyez que ça marche toujours là, tu as vu ce que tu n'as pas fait, non? Moi, ça peut, je vais te taper mes mains jusqu'à te percer l'œil. Continue comme ça. Baisse les yeux! Travaille. Cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts. J'espère que je me fais comprendre. Idiote! Maman! Tu vas parler, on va croire que tu as compris. Je suis sûr que c'est entré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Recommence encore tes conneries là, Alice. Je te jure, ce que Julie t'a fait serait petit à côté de ce que je vais te faire. Bête! Alice, je t'ai apporté des fruits. Non, merci. Alice, je vais me permettre de te poser quelques questions par rapport à ta discussion avec maman. Tu nous attendais? Il aurait fallu être sourd pour ne pas vous entendre tellement vous parlez fort. Je suis sûr que tout le monde vous a entendu. Alors, comme maman, vous m'avez tous condamné alors? Elle n'a même pas pris la peine de savoir pourquoi est-ce que j'en étais arrivée à ça. Pour elle, je suis coupable. Je veux que tu m'expliques. Pourquoi, Alice? Pourquoi tu as fait ça? Au début de notre mariage, tout se passait bien. Malgré le peu d'amour qu'on avait l'un pour l'autre, puisque notre mariage était un peu arrangé, on se respectait. Il y avait une très belle amitié entre nous. Je pense que sans le réaliser, je me suis plus attachée à lui que lui à moi. Et un beau jour, il a découché. Sans m'expliquer. Au fil des jours, c'est devenu une habitude. Et il pouvait passer près d'une semaine dehors sans faire signe de vie. C'est à cet instant que j'ai su qu'il avait une maîtresse. C'est comme ça que mon amie Rose m'a amenée chez un charlatan qui pouvait me permettre de reconquérir le cœur de mon mari. Et tu connais la suite? Non. Je veux l'entendre de ta bouche. Le charme n'a pas marché comme prévu, grand frère. Le monsieur m'a expliqué bien après qu'il s'était trompé de poutre. Et je l'ai commencé à me détester. Au moindre petit geste, il trouvait l'occasion de me taper. De me violenter, Wapi. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Même les conseils que maman me donnait. J'ai tout fait. Mais rien. C'était difficile, mais il fallait que je quitte sa maison. Sinon, il allait finir par me tuer. Mais Alice, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pour te dire quoi, grand frère? Que j'ai essayé de charmer mon mari et ça n'a pas marché. Oui. Ça m'aurait au moins permis de comprendre beaucoup de choses. Je n'arrivais pas à comprendre comment maman voulait toujours que tu rentres chez Jules après tout ce que tu subissais. Comme elle a dit, elle voulait juste me punir. C'était juste ça. Et ça avait raison. Ça avait raison, Alice. Comment tu as pu te laisser entraîner dans ce genre de choses? Et apparemment, tu continues toujours. Pas vraiment. Je voulais juste trouver un autre marabout pour renverser la situation. Arrête ça, Alice, et concentre-toi sur l'essentiel. Quand un homme ne t'aime plus, il ne t'aime plus, c'est fichu. On n'y peut plus rien. Tu ne peux pas pousser un homme à t'aimer avec la force des écorces. Efface ce chapitre de ta vie et passe à autre chose. Comprends, ce n'est pas facile.
C'est très facile. Appelle Jules, tu essayes de causer avec lui, tu lui expliques la situation et tu lui demandes des excuses. Demande aussi les excuses à maman et tu te reprends en main tout en évitant de tomber dans ce genre de piège. Pense-y. Pense-y vraiment. Travail de Alice et moi qui croyais la connaître. Mariam, arrête ça. Que celui ou celle qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, grand frère, c'est vrai. Mais il y a péché et péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous nous péchons, mais pas le genre si. Hé, grand frère, jusqu'à aller charmer l'enfant d'autrui, il pouvait mourir comme ça, comme les blagues. Hein? Dieu merci, il n'est pas mort, ça te va? Oui, mais il pouvait mourir. Il pouvait mourir et personne n'aurait su de quoi il est mort. Hein? Et elle aurait continué sa vie tranquillement comme si de rien n'était. Grand frère, c'est cruel, c'est quelqu'un ça. Ça c'est un péché gravissime. Mais rien, m'arrête de verser de l'huile sur le feu. C'est quoi ça? C'est un péché gravissime. Tu peux m'appeler gravissime là, hein? Sache alors qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Un péché est un péché. Et même se réjouir du malheur de sa soeur est un péché. Donc tu es en train de pécher maintenant. Ah, grand frère, c'est toi qui le dis, hein. C'est toi qui le dis. Hein? Même au tribunal des hommes, là, celui qui a tué un être humain n'a pas la même sentence que celui qui a volé un œuf. Et je ne t'ai même pas raconté. Je te jure qu'une histoire pareille s'est passée au village. La femme était toujours comme Alice. Hey, arrête-moi ça. Je te parle du tribunal de Dieu, pas du tribunal des hommes. Alice! Alice! Comme ça, tu passais ton temps à charmer ton mari. Et comme nous sommes toujours deux là, les gens vont croire que comme tu as charmé Julie, il t'a chassé là. Moi aussi, peut-être j'ai charmé mon mari. Et il m'a chassé aussi. Et le clan des divorcés est humilié. Nous sommes humiliés. Non, 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 non. Je me désolidarise. Je me désolidarise. Gaïa, 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 gaïa. Oui, mon père. Dis que tu veux manger le poisson. Ah, ouais, la cape, la grosse cape. Ah, attends. Ah. Oui, ne t'inquiète pas. On sera au rendez-vous. Surtout que ce n'est pas loin de la maison. Et mon petit frère Mignon va m'accompagner. Oui, naturellement. Non, ne t'inquiète pas pour notre mère. Hein. Elle va voir que du feu. Surtout qu'on met un rond feu là. Et surtout qu'à cette heure-là, maman, elle est déjà confortablement installée dans son lit en attendant de dormir, n'est-ce pas? Même si elle ferme la barrière, on va escalader. Ouais, c'est moi, non? Ici, là, non? D'accord, d'accord, mon père. Ma. Ce n'est pas ce que tu pensais. Pour l'instant, je ne pense rien du tout. Ah, ah. Ma, je peux tout t'expliquer. Oui, elle peut. Mm-hmm. Ok, vas-y, je t'écoute. J'ai tout mon temps. Oui. Tu vois, non, Ma? Non, je ne vois rien. Vas-y, je t'écoute, explique-moi, non? Ma, en fait, je ne trouve pas les mots pour t'expliquer. Les mots me manquent. Et tu veux donc que je fasse comment? Que je te prête les mots? Ma, c'est que non. C'est un ami qui m'a invité à prendre un pot. Et comme c'est tard dans la nuit. Tu as donc décidé de mêler mon fils Mignon dans tes mimacs. Mariam, tu fais ça comment? Hein? Arrête de mêler mon fils Mignon dans tes histoires de cœur. Tu ne pouvais pas y aller seul. Donc un gars t'invite, tu prends mon fils, tu coules derrière toi. Tu fais ça comment? Maman, c'est lui. C'est lui qui a fait quoi? C'est
C'est pas toi qui m'as supplié, je dis que oh, il faut que je t'accompagne chez ton gars, parce que tu vas aller prendre un pot, tu vas me donner 2000, il faut que je manque ta maman, que tu m'accompagnes plutôt prendre un fascicule chez mon ami. Ah! Ya! Yeah. Faut que ya, ka ya, c'est une minième, tu mens! Je mens où? Pourquoi tu veux tout jeter sur ma tête? Ma, c'est minième, c'est lui qui m'a donné le numéro du gars là, et il m'a dit que le gars là voulait me voir, hein? Et c'est minième, moi, c'est lui qui m'a branché sur le gars là. C'est lui. Minième, c'est vrai ça? Techniquement parlant, hein, je n'ai fait que transmettre les messages de l'un chez l'autre. Hein? Donc, si on veut bien voir, je n'ai rien organisé. Oui. Ah, minième, tu mens. Ma, minième est en train de mentir. Je mens où? Ah! Minième, arrête ça. Arrête-moi tes bêtises là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de mêler ton petit frère à tes histoires de cœur? Quand un gars t'invite, pourquoi tu ne sors pas et tu y vas seul? Après, tu vas dire qu'il te manque de respect. Il va te respecter comment quand tu ne cesses de le mêler à tes histoires de cœur? Hé, hey, toi aussi, arrête de tendre les mains. Tu tends la main pourquoi? Tu crois que tu es mieux? Arrête de jouer les 10 pour tes soeurs. Le jour qu'on va te fermer l'œil dans un couloir, je ne serai pas là pour te défendre. Comme tu sors tes yeux pour me regarder là. Sors tes yeux comme ça là. Ce n'est pas parce que Nash m'est tombée enceinte dans cette maison que je vais vous laisser faire n'importe quoi. Je vous jure que si l'une de vous tombe encore enceinte, elle va aller accoucher l'enfant au carrefour, pas ici. Et pour ton information, quand un gars aime une femme, il vient se présenter chez eux, il se présente à ses parents, il demande sa mère en mariage, on organise les choses et on va vous déposer dans votre maison. Toutes les histoires que vous passez le temps à faire dans les carrefours, là, je ne suis pas dedans. À notre époque, ça se passait comme ça. Et chez moi, ça va désormais se passer comme ça. Donc vos histoires de shoga là, arrête ça. Arrête. Comment? Tu es bête là. Tu es un traître. Même Mangdi te dépasse. On vient au lieu de raconter une histoire rocambolesque, tu ne racontes pas. Tu là, tu regardes, tu bégayes. Attends, Minyem, toi-même là, tu as dit quoi de bon ici? Tu m'as laissé placer un mot. Uh-huh. Tu m'as laissé dire quelque chose. Quand j'ai dit à maman là que c'était toi, il fallait placer un mot à ce pourquoi? Moment-là. Quand tu jettes tout sur ma tête, jamais de la vie. Hé, hey, Minyem, je ne sais pas pourquoi je t'ai inclus toujours dans mes plans. Minyem, tu as fait échouer mon plan. J'ai fait échouer ton plan où? J'ai fait échouer ton plan, tu ne connais pas le 11e commandement. On dit que nier jusqu'à la fin, nier jusqu'à la fin. Le genre qu'on t'attrape en face comme ça, tu dis que ce n'est pas ça. Uh-huh. J'ai vu comment toi tu as nié jusqu'à la fin. Si tu m'avais laissé placer un mot, tu étais là, tu bégayais, ma. Mais ne joue pas ça avec moi. Je te connais très bien. Allez. Je te connais très bien. Voilà sa tête. Maintenant tu as fait, on a raté un porteur. Quel porteur? Tu fais perdre mon temps pour un pied plat, tu ne le connais même pas. Hein. Un vieux poussé joli, bibi. C'est lui qui t'a fait toute la route ici. Minyem, c'est pas toi qui m'as donné son numéro. Et même si c'est un pousseur, même s'il ne nous donnait que le, un pot de yaourt de 250, c'est beaucoup, hein. Tu connais tous les nutriments qu'il y a dans ça. Hey, comme toi, tu dis souvent, gros poids. Merde! Les filles du village. Dans ce pot de yaourt de 200 que tu viens me soulever, moi, Minyem, en plein 20 heures. Pour aller boire. Minyem, qui m'a donné le numéro du gars là? Hey, je suis ta grande soeur. Tu me parles avec respect. Ce qu'elle va dire à maman tout de suite. Maman. Maman, sa tête. Mieux non. Tu rentres. Au village. Tu as compris? Mieux tu rentres. Choye. Les soeurs, les gens sont là. Je vois les soeurs de mes amis partout, en train de sortir avec les porteurs. Je vois que c'est la bagnole qu'on garde. Le gars sort dedans aussi, il est frais. Il dit aussi que oui, j'ai un beau. On va m'amener boire le yaourt de 200. C'est beaucoup. C'est honteux. C'est beaucoup. Seigneur. Vraiment. Hein. Ma, quoi? S'il te plaît, vais te parler. Non. Ma, pas au moins la peine de m'écouter, non, s'il te plaît. Pour t'entendre dire quoi? Pour t'entendre me dire quoi, Alice? Que tu es désolée? Que tu ne sais pas ce que tu faisais? Que tu ne vas plus jamais recommencer? Que tu vas arrêter de charmer les gens, les enfants des gens? Que tu vas arrêter de errer dans ma maison comme un fantôme? Comme une âme en peine? Que tu vas enfin décider, te décider à prendre ta vie en main? Tu vas me dire quoi de bon? Maman, laisse-le moi s'exprimer. Hé, Wapi, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Laisse-moi gérer ça à ma manière. Hein? Tu ne connais pas l'esprit, l'esprit de sorcellerie qui sommeille en cette fille. Elle va me dire quoi de bon? Comment? Je suis fatiguée de divorcer chez moi. Si ce n'est pas l'autre qui essaie de transformer mon fils en porcelaine, c'est ce qui passe son temps à charmer les enfants des gens. C'est quoi avec vous? On vous a seulement envoyé. Si on vous a envoyé, allez dire à la personne que vous ne m'avez pas vu. Hein? Dites à la personne que vous ne m'avez pas vu. Et je vous préviens,
encore des écarts de ce genre et vous allez vous retrouver hors de ma maison. Comment? Je ne peux plus jouir de chez moi en paix. Je ne peux plus être en paix dans ma propre maison. C'est même comment avec vous? Méfiez-vous de moi. Hein? Surtout toi, Alice. Méfie-toi de moi. Maman. Ah! Tu n'as pas suivi ce qu'elle vient de dire. Ah! Pourquoi tu aimes chercher les problèmes comme ça? Tu vois pas qu'elle est dans un. Dans ses nerfs? Et toi, tu sais qu'elle est dans ses nerfs comme ça, elle n'aime écouter personne. Tu peux pas attendre demain avant de commencer à causer avec elle, avant de l'aborder. C'est quoi ça? Mariama, donc c'est comme ça que tu fais. Donc comme ça, tu as transformé Minima pour ses nerfs, c'est ça? Non, grand frère, ce n'est pas moi. C'est Minima qui. C'est Minima qui a fait quoi? C'est pas toi qui m'as supplié ici que wow, si elle t'accompagne pas chez le gars là, tu peux mourir. C'est pas toi. Ah! Que sans lui, tu ne peux pas vivre. Grand frère, il manque, hein? Ah non, sinon, elle peut plus vivre. Sinon, tu ne peux plus vivre, c'est ça, hein? Et Minim, tu as même la bouche pour bavarder. J'ai suivi qui t'a donné 2000, non? 2000, grand frère. C'est parce que le gars là aussi, il pleurnichait trop dans mes oreilles. Que s'il ne voit pas Mariama, il va se suicider. Et j'ai vu que la vie humaine compte 2000, c'est quoi? Non, assistance à une personne en danger, c'est passible d'une peine d'emprisonnement ferme. Très gravement puni par la loi. Demi, c'est quoi quand tu vis humaine? Comme si tu te soucies trop des gens. Quand les gens dans la maison si se plaignent, toi tu penses à eux. Demi, c'est quoi quand tu vis humaine? Mariama, tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Vraiment. Donc tu es quitté du village pour venir faire ça ici? Hein, Mariama? Quel rang tu n'est-ce pas? Quel rang tu au village? Quel rang tu jusqu'à ce que tu fais ta main? Quel rang tu n'est-ce pas? Finalement, il sait un peu qui est l'aîné de l'autre ou bien qui va apprendre quoi à l'autre. Parce que vous vous mélangez dans la maison si tantôt c'est Minim qui t'entraîne, tantôt c'est toi qui entraîne Minim. Vraiment, vous nous saoulez. Mais je vous préviens, vous n'allez pas tuer ma mère avec vos histoires. Vous n'avez pas pitié d'elle. De toutes les façons, je veux voir comment la semaine prochaine, je vais organiser un voyage entre elle et moi. On va aller se détendre un peu. Oui. Tu sais que elle ne peut même pas survivre une journée sans moi. Là. Donc si tu ne pars pas avec moi, votre journée là, c'est voir l'échec. Donc tes efforts que tu vas faire là, ça sera zéro. Donc, tu connais ce qui te reste à faire. Hein? Ça te rate. Ça te rate. Que de partir avec toi, non? Je pouvais m'annuler ça. Je ne voyage plus avec elle. Si elle veut. Si, j'ai passé ça, elle s'est dit que maman voyage. Elle va dire que non, alors avec Minim. Donc, mieux, j'annule. Je veux trouver un autre moyen pour qu'elle se détende. Mais, Mariama! Mariama! Il t'a appelé combien de fois? Go hot!